Et
Seigneur bien-aimé, toi qui as fait écrire les Saintes Écritures pour notre instruction, accorde-nous de les écouter, de les lire, de les annoter, de les apprendre, de les diriger, afin que nous puissions acquérir à jamais la bienheureuse espérance de la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leur ravage et l'on se rue à leur suite. Je ne vais pas leur offrir au sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur la terre. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait de l'Église, génère le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est dans ma gloire, je suis immortel. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair et mère repose en confiance. Tu peux me laisser ton ami dans la poche. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
et filtre aux épaules. Et tandis que chaque prêtre se tient chaque jour debout pour remplir ses fonctions et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui sont à jamais incapables d'enlever le péché, lui, par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis en soient réduits à lui servir de leur chantier. Par une offrande unique, en effet, il a mené pour toujours à l'accomplissement ceux qui sont défaits. Nous avons ainsi, frères, pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire par son humanité. Et nous avons un prêtre éminent établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur droit et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute faute de conscience et le corps lavé de l'impureté. Sans péché, continuons à affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui a promis. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes. Ne désertons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parole du Seigneur. Tenue de chant numéro 150. Thank you.
Quand Jésus s'en allait du temps, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui dit, « Tu vois cette construction ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Quand il était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André, à l'écart, demandaient à Jésus, « Dis-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe que tout cela va finir ?» Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi. Et ils égareront bien les gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Évangile du Seigneur. Chers amis dans le Seigneur, nous avons vu ensemble le dimanche dernier la mise en garde sur l'hypocrisie et l'arrogance, et un appel aussi à l'humilité, à la modestie et à la générosité. Et qu'on va voir ensemble ce soir que cette série de mises en garde continue. En effet, le passage de l'évangile d'aujourd'hui est une petite partie du grand morceau de ce qu'on appelle la prophétie du jugement dernier ou le discours eschatologique. Il y a trois parallèles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu, Luc parlent de cela presque de la même manière. Marc 13, 1, Matthieu 2, Matthieu 24, 1, 42, Luc 21, 5 à 33. En tout cas, en ce qui nous concerne, restons en Marc, chapitre 13. Les versets 1 à 8, ce passage de l'évangile de Marc met deux événements en évidence. Premièrement, il s'agit de la destruction du temple. La destruction du temple de Jérusalem et le retour du Christ. Parler de la destruction du temple a provoqué un sentiment de curiosité chez les disciples, parce que c'était un chef-d'œuvre, une merveille du monde, à cause de sa beauté.
Il était considéré comme le Dieu par excellence pour adorer Dieu comme si c'était la seule et unique maison de Dieu. Et la compréhension juive de l'époque, ce serait la fin du monde. Comment peut-on parler de la destruction de ce beau temps extraordinaire? Et ça me fait penser tout de suite, peut-être il y en a parmi vous, quand la dernière fois, pendant la convention avec l'épiscopal, on a visité une jolie, superbe cathédrale à Florence. On disait, waouh, que c'est beau, c'était ça. Eh bien, c'était exactement à peu près le discours de disciples. Que c'est beau. Et Jésus lui dit, tu vois ce beau temple, tout sera détruit. Tu vois cette grande construction, mais il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et ça me fait penser de lui à moi, à la destruction de Notre-Dame de Paris. Et que, est-ce que la foi s'arrêtait? Est-ce que les gens s'arrêtaient de prier pendant que Notre-Dame de Paris était dans le feu, interdit au public jusqu'à maintenant? Je pense que ça doit ouvrir très bientôt. Mais non. C'est-à-dire, l'admiration de la cathédrale au point de vue esthétique, c'est normal, c'est humain, mais ce ne sont que des murs qui ne sont pas plus importantes que la vie. Voilà ce que Jésus veut faire passer comme message. Dieu, sa priorité, ce n'est pas le côté spectaculaire de la messe du dimanche ou de n'importe quel autre jour. Jolie cathédrale, très beau espace, grande procession, chorale, musique, un protocole au top, défilé des prêtres, évêques, diacres, le direct, les photos, les vidéos, etc. Mais pour Dieu, si cela ne traduira pas des actions concrètes en quittant la porte de ce beau bâtiment, de ce beau lieu mythique, cela ne sert à rien. Car pour Dieu, c'est le contenu qui l'intéresse. Ce n'est pas le contenant. C'est-à-dire, si l'on prend par exemple, on prend deux enveloppes. Tout dépend de leur forme, etc. On les met en présence d'une personne ou de deux personnes, on leur demande de choisir. Peut-être qu'ils vont se dire, ah, cette enveloppe, elle est grande, elle est bien, elle est peut-être rempli, mais rempli de quoi? Pourtant, il y a une toute petite enveloppe. À l'intérieur, ce qui est à l'intérieur vaut 10 000 fois que l'autre qui est rempli peut-être plus belle. Et c'est ça, c'est la même chose pour Dieu. Ce n'est pas l'espace qui compte pour Dieu. Ce n'est pas les lieux. Mais il faut adorer Dieu par l'esprit et en vérité. C'est le cœur qui est important pour Dieu. Oui, et c'est la raison pour laquelle il nous dit, il leur dit, et il nous dit ce soir, prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi.
et ils égareront bien des gens quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Il y aura aussi des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Chers amis dans le Seigneur, cet extrait de l'évangile de Marc fait exactement la description de notre réalité d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas de guerre? Oui. Des tensions de peu partout, rivalité, hostilité, insensibilité entre les nations, catastrophes naturelles, par exemple le cas en Espagne, des milliers de gens qui sont disparus, qui sont morts, et des milliers qui n'ont pas d'endroit pour se coucher correctement. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Moi, je n'ai aucune idée. Non, c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne une mise en garde. Et cette mise en garde, depuis dimanche dernier, continue. C'est-à-dire, arrêtez de vous affoler. Si fin du monde il y aura, nous ne pouvons pas le savoir. Parce que, plus ou moins, c'est vrai, parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais il y a une chose qui est certaine, qui est sûre, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons nous préparer sans penser à la fin du monde. L'Église est une communauté de foi, d'amour, de problèmes et de tensions aussi. Le pourquoi? Parce qu'elle est constituée, composée des êtres humains, c'est-à-dire imparfaits. C'est-à-dire, si vous rencontrez des problèmes dans votre communauté, n'abandonnez pas, parce que l'abandon, ce n'est pas une solution. Où vous irez, vous allez trouver aussi des problèmes. Est-ce que à chaque fois, vous allez abandonner? Non, la vie est un combat. Dans une famille, il y a toujours des hauts et des bas. Allez, le maire, à l'église, il n'y a pas des saints. Nous ne sommes que des êtres humains. Et bien, il faut toujours chercher, trouver une solution ensemble. Et c'est beau quand on s'est mal compris et après des dialogues et des réflexions et on se donne la main, on fait un accolade ensemble. Et c'est beau. Oui, on peut toujours recommencer. Et pour terminer, je veux revenir à l'épître aux Hébreux que les deux jeunes filles nous ont lu ce soir. C'est que l'épître aux Hébreux dit: veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux œuvres bonnes. Ne désertons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude. Mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous soyez s'approcher le jour. Ainsi, chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes ici à la cathédrale et qui nous regardez un peu partout, je m'adresse à vous. Dieu nous exhorte et Dieu vous exhorte aujourd'hui à adorer ce Dieu en esprit et en vérité partout où vous êtes, non pas uniquement dans votre église
physique dans votre cathédrale physique. Mais partout, ainsi vous serez prêt. Si la mort vous surprend, vous rattrapera pour aller vivre avec Dieu pour le temps et pour l'éternité. Je vous invite à faire ensemble notre confession de foi en récitant le credo, symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la terre de Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est passé à la droite de l'Éternel puissant. Je vous demande à Dieu de vivre des morts, je dois rendre l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rédemption des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Pour la paix qui vient dans nous, pour la tendresse de Dieu et pour le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, paix entre toutes les religions, pour la prospérité de la Sainte Église de Dieu et pour l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Seigneur, pour notre primat Charles, pour notre évêque Marc, tout le clergé de la convocation et le peuple de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, en pour les pauvres et les opprimés, pour les chômeurs et les indigents, pour les prisonniers et les captifs, et pour tous ceux qui ne les oublient pas et prennent soin d'eux, prions le Seigneur. Seigneur, pour tous les fidèles, morts dans l'espérance de la résurrection, et pour tous les défunts, prions le Seigneur. Seigneur, votre libéré de tout danger, de toute violence, de toute oppression et de tout anéantissement, prions le Seigneur. Seigneur, pitié. Nous prions pour Paul, pour Pierre, Jacqueline, pour toute la famille de Solange, tous les amis de la mission qui sont à faire fond de la résurrection, qui ne peuvent pas être présents physiquement avec nous. Il y en a qui sont à l'étranger, qui nous regardent du moins. Nous prions pour eux, nous prions pour les amis qui nous regardent et qui sait tout ce qu'on fait ensemble, en communauté physique, présentielle et virtuel. Dieu n'a pas de lieu. Dieu ne se rattache pas à un espace, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous pouvez prier Dieu, adorer Dieu, en esprit et en vérité. Qui nous écoute, qui nous regarde depuis le Canada, qui
ta servante Gertrude Rémy au début d'une nouvelle année de sa vie, afin de lui de grandir en sagesse et en grâce et fait croire pour sa confiance en ta tendresse tous les jours de sa vie par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Écoute, Seigneur, la supplication de ton peuple. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi à la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Confession des péchés que nous avons commis contre le divin, pour nos péchés. Que Dieu puisse vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Échanger ensemble. Et maintenant, c'est
Après, c'est la communion qui est le repas de Dieu, qui ne nous appartient pas. Vous êtes tous et toutes invités à participer à ce repas de l'Eucharistie. Que chacun d'entre nous, il a résolu en son cœur, c'est-à-dire sa complète, les tristesses, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. C'est notre joie de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous te louons en joignant nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée des cieux. Chante sans cesse utile à la gloire de l'autre. Oh,
l'amour que tu nous as manifesté dans ta création, dans la vocation d'Israël, ton peuple, dans ta parole proclamée par les prophètes, et par-dessus tout dans le Verbe pécheur, ton Fils Jésus. Dans cet homme qui sont les derniers, il est né de la Vierge Marie pour racheter le monde et le sauver. En lui, tu nous as délivré du mal et rendu digne de nous tenir de nos droits. En lui, tu nous as fait passer de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. La nuit où il fut livré pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ, puis du pain, était en rendu grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, il but la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude des gens en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de vous. » C'est pourquoi, au Père, ainsi qu'il nous l'a commandé, disons tous ensemble, nous rappelons sa mort, nous proclamons sa résurrection, nous attendons son retour de la gloire. Et nous offrons ce sacrifice en de louange et d'action de grâce au Maître de tout, te présentant ce pain et ce vin, fruit de la création. Nous t'en prions, Dieu de bonté, envoie ton Esprit Saint sur ces dons, qu'il devienne le sacrement du corps, du Christ et du sang de la nouvelle alliance. Unis-nous à ton Fils dans son sacrifice, que sanctifié par l'Esprit Saint, nous soyons par le Christ digne de toi. Fais que dans la plénitude des temps, toutes les choses soient soumises dans le Christ, et conduis-nous dans la patrie céleste, où avec toi et tous les saints nous aurons part à l'héritage éternel de tes enfants. Par Jésus-Christ notre Seigneur, le premier-né de toute créature, la tête de l'Église, l'auteur de notre salut. Par lui, avec lui et en lui, Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout l'honneur et tout le gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, je vous invite à dire ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas souffrir la tentation. Mais guéris-nous, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le ciel et le ciel. Amen. Le Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête. Le don de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance. Encore une fois, vous êtes tous invités à participer au repas eucharistique, quelle que soit votre confession ecclésiale. Thank you.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous.